Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo scrap, project life et unboxing puisqu'aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, enfin un gros colis hein, même, hein. Je ne sais pas si vous verrez la taille du colis qui est juste énorme et du coup bah, je voulais l'ouvrir avec vous. Ça vient du site Dans Mes Pochettes. Je vous montre tout de suite l'intérieur du colis, ça a été emballé comme une commande en fait. Hein. Donc voilà un peu l'emballage, honnêtement c'est très très bien protégé, ça n'a pas bougé, c'est parfait. Et c'est juste trop trop joli. Donc le site Dans Mes Pochettes qui est un site de Project Life et de scrapbooking, donc honnêtement j'y suis allée, j'ai fait un petit tour sur le site. Même un gros tour, j'ai passé pas mal de temps dessus. Et j'ai découvert des petites merveilles, c'est juste un site trop trop bien. Donc voici la carte du site et c'est vraiment un site top. Si vous êtes fan comme moi maintenant de scrap, je pense que toutes les fans de scrap vont pouvoir se régaler là-bas. Et en plus de ça, si vous êtes comme moi, vous avez quand même pas mal de choix, surtout si vous voulez vous lancer en Project Life. Donc voici ce que j'ai reçu. Donc on se demande ce que ça peut être vu la forme. C'est hyper bien emballé avec du craft blanc, une petite ficelle. Et il y a des petites étiquettes dessus avec écrit « Merci pour votre confiance » ici. Et là, des petites étiquettes comme ça avec des parrainages et des réductions. Donc, je vous lis ça. Donc, spéciale association, faites partie d'une association et bénéficiez de 10%. Si vous voulez parrainer vos copines sur le site en vous inscrivant, vous avez 5 euros de réduction. Donc je vous rajouterai tout ça en barre d'infos. Et puis, si vous voulez une boutique éphémère, la marque se déplace en fait pour vous faire une sorte de petite boutique et vous proposer des produits. Donc c'est le genre, c'est top. Honnêtement, allez faire un tour. Hein. C'est vraiment un site super mignon. Et je remercie encore Perrine pour tout ce qu'elle m'a envoyé parce que déjà, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Mais je sens que ça va me permettre de débuter le Project Life puisque c'était mon deuxième projet sous l'influence encore de Mélanie Happy Together 17. Donc voilà, je sais pas. Hein, elle me fait dépenser de l'argent, cette coquine. Et là, on nous offre un petit cadeau. Donc voilà, il y a écrit un petit cadeau. On va regarder, ça doit être des petits tags ou des choses comme ça. Mais le site est... Enfin, c'est super raffiné en fait tout ce qu'ils ont mis. Ah oui, il y a une petite carte de Project Life. Une deuxième petite carte de Project Life. Et un petit, une petite déco en bois. Aujourd'hui, je suis maladroite. Elle est superbe. C'est super, ça a des petits plus comme ça. C'est super cool. Donc voilà, je pense que pour toute commande, vous avez des petits bonus comme ça. C'est toujours sympa. Les prix sont plutôt abordables, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos, mais ça m'a paru plutôt abordable. Donc ouvrons tout ça, j'enlève les petites cartes, c'est plutôt bien emballé hein, quand même. Donc la petite ficelle qui était très très jolie. Donc c'est la surprise pour moi, donc d'où unboxing, c'est vraiment, j'ouvre avec vous, je découvre. Donc je supposais qu'il y avait un album. Oui, allons-y à l'arrache. Hein. Et waouh, top! Oh là là, je suis trop contente. Donc il y a un album de Project Life qui est comme ceci. Hop! Il est trop joli en rose avec écrit, avec la petite appareil photo, la petite carte un peu style pour Polaroid et écrit Smile, qui est d'une valeur de 24,95€. Donc c'est écrit dessus. Et vous avez même ici le petit onglet là pour pouvoir mettre le nom de votre album ou l'année ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je les voyais pas aussi grands les albums de Project Life, ils sont juste énormes. Et à l'intérieur, je sais pas si vous avez des cartes du tout du coup dedans, je pense pas. Et là, je vois que vous avez en plus, ah ça c'est génial. Et ça c'est d'une valeur de 6,90€, donc ça je trouve plutôt ça abordable honnêtement au niveau des prix. C'est, vous savez, les sortes de pochettes pour les albums de Project Life. Les pochettes bah, où vous mettez du coup vos petites photos et vos petites cartes de Project Life. Et là, il y en a combien? Il y en a 12. Non, c'est pas ça? La fille qui cherche. Je ne sais pas s'il y en a 12 ou pas. En tout cas, c'est totalement parfait pour le Project Life. Pour débuter le Project Life, c'est les... cadeau parfait. Et là, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Bon, je vous mettrai ça là. Je vous mettrai bien sûr tous les articles en barre d'infos parce que voilà. Et je pense qu'à l'intérieur, il y en a une dizaine parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal du tout.
Et du coup, c'est d'une valeur de 6,95€. Et pour finir, avec, on a des petites cartes de Project Life qui sont dans les teintes rose, pâle, dans les couleurs pastel, bleu, vert. Ils sont très, 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 très jolis. J'adore. Toujours d'une valeur de 6,90€. Le lot de cartes. Et il y a 28 cartes à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Hop, ça s'ouvre plutôt facilement. Je vais vous montrer un peu. Et honnêtement, elles sont vraiment pas mal, mes petites cartes. Là, elles ont l'air toutes jolies. Regardez-moi ça, c'est trop craquant. Oh là là, petit lapinou, petit nuage, ah non, elles sont vraiment très très jolies. Joli cadeau de la vie, photo, ah, elles sont trop belles les cartes. Oh là là, maman sait vivre de purs moments de bonheur. Elles sont trop belles. Oh, je suis fan, je suis totalement fan, oh, totalement fan. J'adore. Donc j'ai quelques cartes de Project Life que Mélanie m'avait offert, mais j'ai pas grand chose, j'avais pas l'album, j'avais pas les pochettes, donc là c'est cool, je vais pouvoir démarrer mon album de Project Life. N'hésitez pas à me dire si en commentaire si vous avez envie de voir un petit peu la suite de l'album, si vous avez envie de voir mes évolutions en Project Life. Je sais, vous êtes nombreuses à me dire que vous avez envie de voir directement faire en vidéo mes réalisations, sauf que j'ai pas encore l'astuce pour le faire, mais je vais essayer de trouver prochainement pendant les vacances. Voici les suivantes, petit appareil photo, gros bisous tendre, derrière il y a écrit, oh, c'est trop joli, les cartes elles sont sublimes et d'une qualité top. Câlin, une petite tasse là, trop mignonne. Il y en a deux de chacun, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ce qui est bien, comme ça on peut faire, on peut utiliser de chaque côté, selon nos envies. Et il y en a des plus grandes aussi. On va les regarder, comme ça on va tout regarder ensemble. Ah, elles sont trop belles les grandes. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Elles sont craquantes. Non mais attendez, elles sont juste trop belles les cartes. Je suis fan. Elles sont vraiment trop belles. Bon, j'aime répéter 30 fois, je suis désolée. Sans l'ombre d'un nuage, elles sont trop mignonnes. Alors ça, j'avais pas du tout. Ah, oh, ça a l'air que j'adore aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Donc honnêtement, elles sont vraiment craquantes, les cartes là, les petites et les grandes, elles sont juste divines. Donc merci Perrine, vraiment merci. La boutique dans mes pochettes est une vraie mine d'or, surtout pour celles qui cherchent des Project Life. Puisque Mélanie m'a dit que ça devenait de plus en plus difficile de trouver des petites choses du Project Life en magasin, à Cultura, etc. Et sachez que sur le site, il y a vraiment plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, aller checker ça. Je ne sais pas si je vais réussir à remettre ça à l'intérieur. Et de toute façon, il y avait tout le détail derrière. Et c'est de la collection Tendresse de la marque Swirl Card qui est ici. Et vous avez vu, le prix, il est juste là. Donc c'est bien, c'est qu'il y a... Perrine nous a laissé les prix comme ça. Moi, je peux vous dire. Et honnêtement, je suis super contente. Donc là, j'ai de quoi commencer le scrap puisque c'est la base. Bien sûr, il me faudra des photos et quelques petites décorations. Mais ça, c'est à moi. Je vais pouvoir trouver ça très, très prochainement. Mais je suis super contente. Et n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des choses à me dire, ce que j'aurais besoin pour pouvoir débuter et bien commencer, n'hésitez pas à me dire ce qu'il me faudrait. Et voilà, comme ça m'aidera dans ma recherche. Hey, voilà à l'intérieur. Avec la petite planche là de la marque Becky Higgins. Je crois que c'est celle qui a inventé le Project Life, enfin qui a débuté le Project Life. C'est super cool. Il est super beau. Il est vraiment très très beau. Top. Eh bien, voilà pour ce unboxing. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils, comme je vous l'ai dit, en commentaire. Et j'ai hâte maintenant de commencer un peu mon Project Life et de pouvoir faire un album. Cette fois-ci, ça ne sera pas sur ma fille, ça sera un petit peu sur les moments de ma vie, les choses, voilà, les petits trucs importants de ma vie, une petite page par-ci, une petite page par-là. Je trouvais ça sympa aussi de faire ça sous forme juste de page, un petit événement, une petite sortie ou quelque chose comme ça, et pas forcément faire un album sur un thème. Puisque là, on peut mettre de tout, en fait, dedans. Donc, c'est ça qui était bien dans l'idée. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore Perrine. Et je vous remercie encore toutes d'être là. On arrive bientôt aux 9000 abonnés. Je pense qu'on va prévoir pour les 10 000 abonnés un
pur concours. N'hésitez pas aussi à me dire vos petites suggestions. Suggestions, bref, vous m'avez comprise. Mais honnêtement, ce site est une vraie petite mine d'or et je pense que je vais repasser commande dès que j'ai fini cette vidéo pour aller acheter des choses qui vont compléter tout ça, peut-être des nouvelles pages. Je vais voir un petit peu comparer les prix avec Cultura et Zodio, mais voilà, je suis déjà conquise. Et les cartes de Project Greg, ça c'est vraiment la petite mine d'or, parce que c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Et honnêtement, elles sont pas très très chères, je trouve autour de 6€ les 28 cartes, ça reste très raisonnable. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo Scrap ou Project Life. Mettez un pouce en l'air si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres, surtout, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour les fans de Scrap qui ont envie de se lancer aussi dans le Project Life. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.